Il y a un petit cep là. Oh, viens voir. Regardez les amis, un petit cep là. Un autre juste ici. Et un autre là. Je vais l'appeler qu'il vienne voir. Il y en a trois. Tu les vois ou pas? Voilà. Non. Deux là. Le troisième est là. Troisième, il y en a peut-être d'autres. Tu penses? Bah, c'est possible. On saura quand on les aura trouvés. Mais ils sont bien. Bien attaqués. Bah, ils sont beaux là. Regardez le pied. Hein, le pied tout neuf. Ouais. Bien bouffé, mais ils sont propres. Ils ont été vite bouffés. Quoi. Il y avait un là, un là. Je vais fouiller le... On va laisser le sac, on fouille autour. Tu vois, regarde. Au fur et à mesure qu'il pousse, il se bouffe. Tu peux le couper bien haut, celui-là. C'est un petit sac. Il a pourri, celui-là. Ouais. Il est poussé sur le bois. Tu vois, on peut couper directement là. Il est un peu pourri, il a pris l'eau quoi. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres. Regarde. Une fois comme ça là. Il faut laisser le sac. Tiens, j'en vois un beau là. Hein? J'en vois un beau là. Deux. Regarde. Non mais tu vois, regarde, hier je suis passé de l'autre côté, je serais passé là, j'aurais juste dévié, tu sais. En fait c'est comme ça tu dévies en fait. Tu dévies, c'est comme ça que tu trouves. Faut arrêter, faut pas... Voilà. Vas-y doucement là. Ah oh, non. Brutus là. Regardez toi. Oh. Vous l'avez pas vu celui-là? Encore un. Hein. T'as vu le mycélium là? C'est quoi le mycélium? C'est un peu comme la racine, tu vois. Ouais. Il a pété là, chut, il fait une boule. Puis après, le champignon qui sort. C'est-à-dire qu'il y en a encore peut-être d'autres. Hein. Toujours laisser le sac et tu tournes autour du truc. Tu caches pas tes morceaux, toi? Oh! Oh! Viens voir! Je l'avais pas vu. T'as vu que je t'emmène pas dans des coins de PD là. Hein? Toujours à te plaindre. Wow. Si tu sais ce qu'il faut faire pour être sûr. Que? Toujours être sûr là. Qu'est-ce que tu regardes? Le petit réseau. Le petit réseau là où on voit bien. Et là, avec la bordure blanche. La bordure blanche, liseré blanc, on sait que c'est un bordeaux. Bon, là, il n'y aura pas grand chose d'autre, mais il faut faire gaffe, c'est au boulet amer, quoi. Parce que tu te fais ta poêlée, c'est dégueulasse, mais c'est content, quoi. Eh ben, les amis, ça commence bien. Je fais un peu le tour, comme il m'a dit. Ça serait bien si j'en trouve d'autres. Sacré spot là déjà. Je sais pas si c'est une bête ou... Ça me paraît bizarre. Regarde. Ah c'est une bête, non? Ah, les sangliers, ils bouffent, ouais, il a bouffé, il bouffe les insectes. Il bouffe pas les champignons. Voilà. On arrive juste à temps. Dans 3 jours, il aurait été vert là. Hier, que des bouquets comme ça, là, j'ai trouvé. Pratiquement. C'est beau les bouquets, c'est mon premier. Et tu caches pas tes... Ah, c'est pour rien.
t'es un peu tout seul là. Parce que tu trouves et puis moi je ramasse. Et c'est ben c'est moi qui est tout seul alors. T'as bien fini là où t'avais trouvé les deux là? Non, non, on va t'as laissé le sac. Non, mais où t'avais trouvé les deux grands, les deux empires? Bah, j'ai fait un petit tour autour, ouais, mais je vais me rapprocher du sac. De toute façon, ah, je vais. J'ai vu, il y a tout une traînée qui était fouillée là par les sangliers. Ah ouais. Bon, bah, on sait que les sangliers ils bouffent pas les sacs. C'est déjà une bonne nouvelle. Ouais, c'est vrai. Ah, mon tu mousses. Ouais. Et du coup, quand il y a lui, des lui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit champignons rouges, il y a des cèpes à côté. Et là-bas, il y en avait un gros comme ça, là. Et on en a trouvé une dizaine, là, juste à côté. Je vais en remettre là-bas, parce qu'il y en avait pas mal déjà. C'est où que tu avais trouvé les deux grands, là? Là. T'es sûr de toi, là? Ouais. T'avais bien fouillé, là, dans le buisson, là. Ils aiment bien, là, ils se mettent dans les... C'est plus humide quand il y a plein de trucs comme ça. Bah c'est, je sais pas, c'est peut-être semi-ombragé ou alors ça fait de la racine aussi, je sais pas. Parce que regarde, si le mycélium il se dépose comme ça là, et que comment ça s'appelle, le cèpe il aime bien cet arbre là, si tu veux. Ah oui. Donc il y a pas mal de racines, donc il se met dans les buissons comme ça quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, oui. Plus il y a d'arbres, plus il y a de chances d'en trouver, quoi. Bon, du coup, on s'avance un peu. On continue encore dans le bois. Là, ça a pas mal donné. Déjà, en un quart d'heure, une dizaine de cèpes. De quoi? Un quart d'heure, une petite dizaine de cèpes, c'est déjà très bien. Je vois un petit chapeau par là. Donc c'est pas un cep déjà. Je pense que c'est un beau lébé, non? Chapeau bien marron comme ça, pied fin. Je pense que c'est un beau lébé. Donc on est à l'endroit où mon pote il est venu hier là. Il avait déjà trouvé quelques cèpes, mais il était passé à côté de tout cela qu'on a trouvé. Donc là c'est pareil, il est beau celui-là. Mais je pense que c'est... Ça, c'est du beau lébé, ça, il me semble. Ah, beau lébé, ça. T'en as trouvé? Wow! C'était quoi ça? Il y en a un autre devant toi, tu l'as même pas eu? Il y en a plein partout là. Non, oh là là. Il y en a là-bas là. Ça va? Ah. Il est mort. What? Il est mort, mais... Le mettre dans les fouets là-dedans. Prends ceux qui sont bons. Ah, ils sont tous morts. Ouais. Dommage, il y a un moment qu'ils sont là. On va essayer, hein, pourquoi? On va pas ici. Ceux-là, ils sont peut-être beaux là. C'est un peu vert quand même. Celui-là, il est bon là. Regardez celui-là. Il y a beaucoup d'eau ici.
sinon on va les jeter. On va les mettre là-bas, on va les prendre un peu. Du coup, pourquoi on les jette ceux-là? Oh, ils sont un peu verts. Là. Donc c'est pas bon, et puis il faut en laisser un peu pour se sprawl. Je suis passé là hier, mais je suis parti là-bas. Là. Le chapeau, celui-là, le chapeau était pas propre. Ouais. Tu regardes celui-là, regarde, il est bien bouffé là, sur le chapeau là. Au niveau du pied, tu vois. Donc ça sert à rien. C'est jeter à la maison, ça sert à rien, quoi. Autant le jeter ici, quoi. C'est ça. Oh, t'es passé là, non? Il y a ton logo. Non. Incroyable, j'avais même pas vu, je suis passé pas ici. Tu le vois, les énormes là-bas là? Oh là là. Que tu m'écoutes jamais, c'est quand tu bifurques comme ça là, hein, tu vas fouiller un bois à côté, tu te perds machin, tu tombes et hop, tu fais un chemin que t'as pas fait, que t'aurais pas fait, t'aurais pas fait. Oh, non, prends-le en photo là, tu me l'envoies là. Tiens, prends-moi en photo là. Celui-là, il va rester là. Incroyable. La lumière, ça a été toute petite. Elle a grossi dessus. Un autre par ici. Et j'en vois un autre juste là. Donc celui-là est malheureusement trop pourri. Mais celui-là, il m'a l'air plutôt pas mal. Regardez ça. Hop, pas tout neuf. Vraiment beau celui-là, tout neuf. Bon bah franchement les gars, on est plutôt pas mal. Hein. On a au moins entre 2 ou 3 kilos de cèpe là. Malheureusement on a laissé les plus gros avec la mousse bien verte. Ils étaient bien attaqués quand même. Mais ça fait plaisir. Tomber sur des coins comme ça là, incroyable. Si la vidéo vous plaît, vous savez ce qu'il faut faire, hein, n'hésitez pas à vous abonner les gars, ça ferait avancer la chaîne et ça me ferait vraiment plaisir. On va continuer, en tout cas on se dirige vers les voitures parce qu'on a pas mal marché quand même. Ça fait une heure et demie à peu près qu'on est dans le bois et je pense que dès qu'on arrive aux voitures, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, en marchant, voilà le petit résultat. Un beau petit cèpe encore. Oh, il est magnifique celui-ci. Je vais le nettoyer un peu. Petite Lily. Magnifique. C'est tout? Oh, on dirait. Ouais. Magnifique celui-là. Des fois tu les vois bien quand t'es là. Bah ouais, c'est souvent quand tu t'accroupis que tu vois les autres, mais là. Les petites têtes dépassées là. Ouais, il doit pas être tout ça là. Parce qu'ils sont là, là. On les voit même pas là. On refait un tour ou pas? Ouais. Donc là on a laissé le sac où j'ai trouvé le cèpe.
Et on fait un petit tour, voir si on en trouve d'autres. On fait tout le tour du sac. On les a tous trouvés à plusieurs, et là il était tout seul celui-ci. De marcher et regarder encore deux beaux petits sacs. Bon, on a l'air un peu fatigué. Je vais regarder autour quand même. Oui, ils sont bien fatigués. Je vais regarder s'il n'y a pas leur petit frère autour. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Pas bouffé, mais. Ouais. Ah si, bouffé. Ouais, ouais. Hein? Si, il est bien bouffé. Là. Ah ouais, il n'y a plus rien dedans. C'est pour ça qu'il est vide. Voilà les amis, fin de session pour aujourd'hui. Ça a bien donné, on a eu pas mal de résultats. Les ceps, ils ont bien poussé. Dommage, il y en avait quelques-uns qui étaient un peu fatigués, trop vieux. Voilà, si la vidéo vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait vraiment plaisir. Et voilà, mettez un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et on se retrouve sur les prochaines vidéos. Allez, ciao, ciao, à la prochaine.